Et salut tout le monde, on se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja 13 pour partir invoquer sur le nouveau portail de Mitsuki et de Orochimaru, Mitsuki Sage Mode, comme je vous l'avais prédit il y a quelques semaines de cela, voire quelques mois, si je dis pas de bêtises, c'était en novembre que je vous avais teasé que en janvier, voire en février, on allait avoir ce personnage. Et du coup, voilà, il est enfin tombé. Du coup, on va directement partir invoquer. Et bon, les gars, j'ai pas de grosse économie, mais on va tout simplement faire un maximum d'invocations là-dessus. Je crois que j'ai 5-6 singles à faire. Et on récupère un peu tout ça. Et on va directement aller partir invoquer. Bon, je me suis fait shaft. En vrai, là, ça fait 3 portails. Je me fais shaft. 4 portails même. Donc, en espérant que cette fois-ci, il soit généreux. Il soit cool avec moi parce que j'en peux plus. Genre, vraiment, là, j'en peux plus. Sur 3 portails, je me suis fait démonter. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, on va dire. On va récupérer ça. Ok, du coup. Ça, on va le récupérer après. Et on va aller partir invoquer en espérant que j'ai de la chance. Du coup, tout d'abord, on va aller analyser le perso. Shinobi détail, stat, spécial ninjutsu. Elle est pas mal, hein? Le petit dash en mode Sage Mode. Le trip spécial, passe au trip spécial. Ok, en vrai, c'est pas mal. Du coup, ah ouais, il n'y a que ce personnage qui m'intéresse, hein. Je vais aller voir Orochimaru. Du coup, boost les critiques de 40% au niveau 50 et inflige 360% de dégâts sur un ennemi. 35% de détruire la cible et de baisser les dégâts de l'adversaire de 10%. Baisse également les critiques de l'ennemi de 30%, de 32%. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal sur la compétence solo. Du coup, on passe sur le deuxième truc. Ouais, ok, bah c'est à peu près la même. Donc, deal 128% de dégâts sur un ennemi et réduit les dégâts de 8,98% sur le reste du combat. Amélioration de vie. Oh, mais c'est un débuffeur ce perso. C'est un très très gros débuffeur. Après, ouais, après le reste, on connaît. Du coup, on va aller directement invoquer. D'abord, on fait la Free Summon. L'invocation gratuite. Ok, tape en rouge. Bah, ok, pas d'animation. On skip. On skip, on skip.
Du coup, cette fois-ci, on va partir sur quelques singles pour voir ce qu'ils nous offrent. J'espère avoir de la chance là-dessus. Oh là là, 4 boules, 4 boules. L'équipe pas du tout complète. Oh! Ah, dommage. Dommage, dommage. Ça commence bien en fait, ça commence bien. Est-ce que. Alors, pas d'apparition dans le. Oh, oh, oh! Si! Yes! Un UR! Un UR! Oh, mais vraiment! C'est quoi ça? Bah, ça me fait un petit 10 fragments, mais bon. Ah, je suis dégoûté. Bon, allez, on continue. On continue. En vrai, ça commence bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit UR sur la première single. Ok, 4 boules encore. Petit tape en rouge, peut-être après. Konohamaru, Sasuke. Ah, pas de tape. On skip, je pense que je la skip. Ouais, c'est pas fameux, c'est pas fameux. Du coup, on continue. Faudrait que le Mitsuki je le chope. Hein. Parce que réellement, là, j'ai tous les persos UR de la team 7. Oula! On skip, on skip, on skip, on skip. Ok. Ok. Allez. Ouh là là. Cette Nucci, elle n'est pas fameuse. La team au complet. Ah là là, c'est pas. Enfin, on va skip. On va skip encore. Allez, s'il vous plaît, j'en ai marre de me faire shaft là. Encore? Allez, s'il vous plaît. Oh, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. R. Ouais. Peut-être un SR, c'est pas sûr. Mais je pense que c'est un R. Ouais, bon. C'est pas fameux, c'est pas fameux. C'est pas fameux tout ça. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas encore, oh, c'est dégueu. Tape en rouge. Pas de, d'animation. Oh là là. Si c'est, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'animation à Sasuke solo. Et deux d'apparition de Bluetooth sur, le, sur l'animation à la fin. C'est pas bon ça, c'est pas cool. C'est pas cool de leur part. Ah, je me suis fait shaft sur 4 portails du coup. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais du coup, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous le savez, il y a un petit laboratoire des abysses avec des fragments à gagner. Des fragments à gagner sur les deux personnages. Bon, malheureusement, comme vous l'avez vu, j'ai pas eu trop de chance là-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, en espérant que pour les annonces je ne fasse pas shaft, on verra. On verra. De toute façon, je vais continuer à invoquer en off, faire des petits singles à droite à gauche jusqu'à pouvoir le drop. Parce qu'il me le faut. Réellement, il me le faut. Il me faut le perso, obligatoirement. Parce que là, c'est pas possible de. Parce que là, j'ai tous les persos de la team 7 en UR, excepté le Mitsuki. Donc il me le faut. Il me le faut obligatoirement. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos sont à venir. Bon, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao, ciao.